tout le monde, c'est Superflo. Comment vous allez? Moi, ça va super bien. Comment vous allez? Comment vous allez? Moi, pas très bien en fait. Ce matin, j'ai appris une information. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai partagé sur Facebook et sur ma page Facebook et sur mon compte Twitter. Donc, c'est là que les personnes qui m'ont suivi sur Facebook et Twitter, vous l'avez vu. Certaines personnes ne l'ont pas vu parce que il y a des personnes qui ne me suivent pas sur Twitter et Facebook. Donc, du coup, allez voir dans la description de la vidéo. Donc, c'est tombé ce matin. Moi, je l'ai vu ça ce matin sur Rockstar, donc sur la page Rockstar, que les mises à jour sur PS3 et Xbox One, c'est fini. C'est terminé. Donc, vous allez dire non, quoi, on n'aura pas la mise à jour du 15 septembre, non, on ne l'aura pas du tout. Donc, il y a des youtubeurs qui ont présenté la nouvelle mise à jour, comme Bysanka, vous n'avez qu'à aller voir sa chaîne. Il a présenté la nouvelle mise à jour, elle a l'air vraiment cool. Mais du coup, maintenant, les mises à jour, ils vont se faire que sur Xbox One, PS4 et PC. Parce que sur PS3 et Xbox 360, c'est fini. C'est terminé parce que les mises à jour, ils vont être un peu plus. Comment je pourrais dire, un peu plus forte que la nouvelle génération. Donc du coup ça va terminer pour nous. La dernière mise à jour qu'on a eue, c'était la Cream Pie 2, si je me dis pas de bêtises, c'était en juillet. Donc c'était vraiment la dernière mise à jour, là on n'en a plus d'autres. Donc si vous voulez aller voir, j'ai mis le lien dans la description. Et je vous montrerai une petite photo sur le côté pour vous montrer que je vous ai pas du tout, je vous ai pas menti, que c'est terminé en fait. Ils disent bien que ça devait arriver tôt ou tard. Et du coup, malheureusement, on n'aura pas la mise à jour du 15 septembre. Alors, en gros, j'ai pas tout voulu lire non plus, mais j'ai mon PC à côté de moi. Donc, du coup, voilà. C'est pour dire que. M'attendez. Parce que je regarde. Voilà, donc la Cream Pass était bien sur la sur les consoles. On les a eu tous sur la console. Sur les consoles super comme PS3, Xbox One, PS4 et Xbox 360 et PC, la dernière mise à jour. Mais du coup, maintenant, on ne veut plus avoir de mise à jour. Donc moi, je suis un peu déçu. Moi, je l'ai vu. Je l'ai partagé sur ma page Facebook. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont un peu déçus parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter de nouvelles consoles pour avoir les mises à jour. Ils sont un peu dégoûtés. Moi, je suis dégoûté parce que j'avais gardé et je me préparais à avoir des sous. Je me suis préparé à avoir gardé des sous pour la mise à jour. Et du coup, maintenant ça va être sur Xbox One, PS4 et PC. Donc c'est sûr, on est vraiment déçu. À vous de me dire si vous avez appris l'information, si vous avez appris ou pas. Si vous l'avez vu sur Facebook. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder. Et c'est pas un fake, c'est vraiment vrai. Parce qu'il y a des personnes qui ont cru que c'était faux, mais non, en fait, c'est vraiment vrai. Et moi, je suis un peu déçu. À vous de me dire en commentaire comment je pourrais vous dire à quoi ça vous fait, si ça vous fait un peu chier, si ça voilà, des personnes qui n'ont pas les moyens de passer sur Xbox One ou qui peuvent pas passer sur PC ni sur PS4 pour jouer à GTA. Dites-moi en commentaire, les personnes, même ceux-là qui jouent sur Xbox 360, dites-moi en commentaire comment vous avez pris la petite information, si vous l'avez pris bien, si vous l'avez mal pris. Moi, j'étais un peu dégoûté ce matin, je vais vous dire. Je vais pas vous mentir parce que je suis ouais, trop cool, les mises à jour du 15 septembre. Moi, j'avais mis les photos sur Facebook, j'avais fait, je vous suis pas menti, vous les avez vu mercredi ou jeudi, j'ai mis les photos sur Facebook, j'étais content, je suis ouais, trop cool, nouvelle mise à jour. Et ben non, en fait, on vient d'apprendre aujourd'hui que c'est fini pour PS3 et Xbox One. Donc, du coup, voilà, c'était pour vous dire que c'est terminé parce que les consoles sont pas assez trop puissantes pour Rockstar. Et pas, ils ont eu trop de soucis avec la dernière mise à jour. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils laissent un peu tomber. Donc, ils disent bien que on pourra jouer toujours en ligne sur PS3 et Xbox One, Xbox 360, mais le souci, on pourra plus faire de mise à jour. Donc, il n'y aura plus de mise à jour. C'est un peu dommage. Et moi, je trouve ça un peu vraiment dommage. Ils auraient pu laisser au moins la dernière mise à jour, genre le 15 septembre. La faire là, vraiment la dernière, puis voilà, se quitter sur la dernière mise à jour, que quitter comme ça. Est-ce qu'après ils vont peut-être faire celle-là du 15 septembre, mais je pense pas parce qu'ils disent non. Donc allez voir sur ma page Facebook Superflo
officiel et sur mon Twitter. Tout est dans la description. Je vais vous mettre aussi le lien de Rockstar, comme ça vous allez voir vous-même que c'est pas un fake et que c'est vraiment vrai. Que bah c'est terminé pour les joueurs de PS3, Xbox One. Je suis vraiment déçu aussi. À vous de me dire les réactions que vous avez eues. C'est sûr, c'est un peu embêtant, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour finir sur PS4 et Xbox One et PC. Moi, je suis un peu déçu. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis bon game, à très vite et ciao, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram, Skype. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et allez, moi, je vous dis salut et à très vite sur d'autres vidéos. Allez, bon game.